Donc bonjour tout le monde, c'est Emile qui vous parle pour le 31e épisode de mon BGM des Canadiens de Montréal. Donc là, je vous avertis tout de suite, ça va vraiment être un boost de commentary. Il faut que j'en fasse 20 au cours des 3 prochains jours. Donc je pense pas que je vais y arriver. Donc ça se peut qu'il manque de vidéos par la fin, mais c'est pas grave. On va essayer d'avoir des vidéos de GM hockey en plus de ça. Donc voici nos links pour commencer la saison. Malheureusement, je pourrais pas avoir vos commentaires sur si c'est bon ou pas. Mais c'est ça que ça va avoir l'air. Je peux toujours les laisser pareil, là. Je vais les lire, mais juste très en retard. Donc, j'ai vraiment l'intention, moi, d'arrêter à la fin de cette saison-là si on gagne pas la coupe. Là. Ou même si on gagne, parce que je voulais voir si on pouvait répéter. Là. Puis c'est juste en attendant, mais j'ai déjà tout fait. On a gagné la coupe cette année, donc j'ai plus rien à prouver, moi, je trouve. Dans ce BGM là, j'aimerais s'en faire un autre ou passer à autre chose. Donc, si vous entendez quelque chose, là, c'est ma console là, qui fait beaucoup de bruit. Alors, on n'a plus pour très longtemps. Donc, c'est ça, je pense qu'on est correct. On va aller envoyer notre scout. Ok. Donc on va simuler par-dessus la pré-saison. On va commencer la prochaine saison. Donc je me demande bien si on veut gagner la Coupe Stanley. Encore une fois. On est la même équipe, donc je ne verrai pas pourquoi. Mais ne sait-on jamais. Ouais, j'espère que tu veux qu'on fasse ça. Patriotty pour Olsen et un choix de premier troisième tour. Non merci. Je vais garder ma profondeur à la place. Big Brandon Morrow a enfin été échangé de Pittsburgh. Il va terminer sa carrière à Chicago. Mais c'est ça, donc là, à la fin de cette saison-là, j'ai l'intention d'arrêter. Je pense pas que je vais avoir le temps de faire 20 commentaries en une saison. Donc ça se peut que j'arrête, puis ça me fasse une autre équipe. Que je vais choisir au hasard. Si jamais vous n'êtes pas d'accord, puis vous voulez absolument que je continue avec le Canadien, je ne vais pas l'avoir effacé, inquiétez-vous pas. Il va être encore là, puis je vais continuer où ce que j'avais arrêté. C'est ce que c'est très très plate de continuer. Faire ça quand je peux rien approuver. Pour ça, moi j'aime ça la diversité. On peut voir plusieurs équipes, plusieurs joueurs différents qu'on peut pas voir, comme aller dans la conférence de l'Ouest, peut-être, on l'a pas beaucoup vu, quelque chose du genre. Peu importe, pour le moment, on va se concentrer à répéter comme champion de la Coupe Stanley cette année. Carey Price, qui a descendu de 90 à 88, mais il est toujours un gardien de but vedette. Demandez-moi pas pourquoi après avoir gagné la Coupe Stanley, ils descendent overall. Samkos a monté à 92, Galchenyuk à 88. Donc, tout le monde fait bien. Donc, notre premier meeting avec les Sénateurs d'Ottawa. Après les avoir éliminés, ils ont pris leur revanche. Sur nous. On va voir ce qu'on peut faire contre Simon et les Hurricanes. On s'incline, donc c'est pas un très bon début de saison. En fait deux défaites de suite. Une autre pour Carey. S'il perd, on le sort. Tokarski est rendu 81 overall. Donc, j'aurais plus de honte à le mettre devant le filet. Carey l'emporte. Donc, il peut avoir encore une fois une autre séquence de 3 matchs de consécutifs. Une défaite contre le Lightning qui a bien sûr une mauvaise fiche, même après tout ce temps. Ça, on l'a envoyé. On l'a enlevé, Steven Stamkos. Leur meilleur joueur. Saint-Louis et le Cavalier doivent avoir pris leur retraite. Ça n'a pas été évident pour le Lightning. Donc, ça commence à se replacer, les arbres. 5 victoires, 4 défaites, une séquence de 3 matchs consécutifs. Les joueurs seront fatigués, donc essayons d'en remporter au moins 2-3. Non, on en perd 2-3. On va voir les attaquants dans la OHL.
Il y en a perdu une, donc je vais aller faire deux autres matchs. Après ça, on ira voir les stats pour voir si on est aussi excellent que l'année passée. Yannick Weber, on a vu que ça implique beaucoup en attaque. Non, j'ai pas besoin de profondeur en défense. Oui, mais je peux m'en passer. On l'a emporté contre les Flyers, maintenant contre Patrick Kane et les Pittsburgh Penguins, on l'emporte aussi. On revient sur le chemin de la victoire. Il nous restera un match contre les Bruins. On va voir de quoi ça a l'air pour nous. 15e, 2,62 buts par match. Pas mauvais, mais pas excellent non plus. Moyenne de buts contre par match qui est exactement la même. C'est pour ça que je l'ai passé. 15e rang, wow, c'est rare ça. Pourcentage en avantage numérique, 19,1%. Pas mauvais. À désavantage numérique, 85%, pas mauvais non plus, mais ça pourrait être mieux. Et on n'a pas beaucoup joué à l'étranger. Donc on peut pas vraiment critiquer. Alors voir ce que les joueurs, eux, ils ont fait. De bon dans ce premier mois d'activité dans la Ligue nationale de hockey. Daniel Sedin, encore une fois, un point par match. Yannick Weber, 12 passes en 13 matchs, impressionnant. Stamkos, 11 points, ce qui est excellent. Galchenyuk qui fait son travail, passe la rondelle à Stamkos et Sedin. Heller, encore une fois, excellent sur le troisième trio. Puis les Canucks fait sa job sur le deuxième. Higgins marque des buts. Et la profondeur, ben là, c'est pas mal ça. Carey est le seul à avoir joué. Les stats sont pas mal ordinaires. 2,50, Carey pourrait faire mieux. Mais c'est bon. Là. On voit où on est classé. On est classé 7e. Donc on est dans les playoffs. Tout va bien. Tout baigne. Oh, là, j'ai parti une séquence de 3 matchs, mais il va falloir que j'arrête la vidéo immédiatement. Sinon, je vais manquer de temps pour faire mes 20 commentaries. C'est sûr que j'y arriverai pas. Là. Donc, merci d'avoir écouté. Et à la prochaine.